Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on fait la case 14 qui est au-dessus. Donc j'ai retourné mon DP pour le faire plus facilement. On va retirer le petit. Allez, Lolo. Le petit papier qui couvre. Voilà, beaucoup, beaucoup de cœur. Donc, ben, je vais remplir les cœurs. Hein. Je vais laisser ça là pour savoir que c'est la 14. J'espère que vous allez bien. Je reviens tout juste de chez mes sœurs. On a passé une super après-midi. Il est 18h39. Et on est le 6 juillet pour vous. Le 25 juillet. Il a fait très mauvais temps, énormément de vent. On était dans le jardin, une petite pluie très fine au début. Bon, ça va, c'était pas dérangeant. Et après, c'est devenu la bonne grosse pluie. Donc, on est monté à l'étage parce que ma soeur Sylviane habite au rez-de-chaussée et au premier il y a Annie, ma soeur aînée. Donc on est monté au premier étage puisqu'on était sur les quatre trois fumeuses que donc Annie fume, c'était mieux d'aller en haut. Et voilà, maintenant je suis à la maison et puis Lou est reparti vers la gare parce que Kylian prenait un train après nous. Bon, il prenait pas au même endroit que nous. Donc il est parti chercher Kylian et quelqu'un, je ne sais pas qui, à la gare. Donc j'en profite pour faire la case. Je ne sais pas si je pourrai en faire beaucoup aujourd'hui. C'est la première que je fais aujourd'hui. Mais demain, je pourrai en faire plusieurs. Voilà, donc moi, je vais faire mes petits cœurs et puis je vous reprends après pour combler et terminer ça ensemble, comme d'habitude, avec la photo de l'avancée de Marie-Thérèse. Voilà, à tantôt. Voilà, alors j'ai déjà fait une grosse majorité. Donc j'ai mis mes petits cœurs qui sont du noir et j'ai mis les E minuscules qui sont du bleu marine, alors vachement foncé. Et on va terminer ensemble. Je vais prendre les A minuscules. J'espère que j'aurai assez de temps pour terminer avec vous ce qu'il me reste à faire. Donc je voulais vous parler de, vous savez qu'au mois d'août, du 6 au 12 août, je suis partie en France parce que le 7 août, on fête les noces d'or de mon frère. Donc mon frère a épousé une Russe. Il y aura 51 ans bientôt. C'est une belle histoire, c'est une belle histoire et tragique en même temps, l'histoire de ses parents. Donc le papa de ma belle-sœur, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, bon, il vivait en Russie, et il est parti acheter du pain. Il a été intercepté par des soldats allemands qui l'ont emmené de force en Allemagne où il a travaillé pour les Allemands dans les usines. Et la maman de ma belle-sœur, il lui est arrivé exactement la même chose. Elle s'est retrouvée de force en Allemagne pour travailler pour une famille allemande comme servante. Ils se sont rencontrés en Allemagne. Évidemment, ils ont sympathisé.
Et quand la guerre a été terminée, les Russes qui avaient travaillé pour les, enfin, qui avaient travaillé pour les Allemands n'étaient plus les bienvenus en Russie. Donc, ils étaient vraiment traités de traîtres, même si on les a pris de force et où ils étaient des travailleurs forcés. C'est arrivé à d'autres, hein, à d'autres pays. Donc, ils n'ont pas pu rentrer en Russie. Ils sont venus en Belgique, où leur histoire a continué, se sont mariés, ils ont eu 2 filles, dont ma belle-sœur. Quand le mur de Berlin s'est écroulé, son papa était déjà décédé. Attendez, je prends le W. Son papa était déjà décédé et ma belle-sœur a appris à ce moment-là qu'en fait, avant d'avoir été emmené de force en Allemagne, son papa avait une famille en Russie. Il avait épousé une jeune femme en Russie. Et ma belle-sœur, après le mur de Berlin, a fait des recherches pour retrouver l'épouse de son papa, la première épouse de son papa, et puis lui dire la vie qu'il a eue. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, et ça, le papa ne l'a jamais su, puisqu'il ne pouvait pas avoir de contact, hein, pour pas oublier qu'il y a eu des moments, il y a eu la guerre froide et pas de contact. Il ne pouvait pas aller en Russie, les Russes ne pouvaient pas sortir de Russie. Et en fait, il ne l'a jamais su, mais quand les Allemands l'ont intercepté et l'ont emmené de force en Allemagne pour travailler, sa femme était enceinte. Donc, ma belle-sœur a un frère, un demi-frère, qu'elle a retrouvé. Ils se sont vus, ils s'entendent très bien. De temps en temps, ma belle-sœur, enfin, de temps en temps, ma belle-sœur allait en Russie, lui venait en Belgique. Maintenant, les choses se passent quand même beaucoup plus facilement. Ça n'a pas été facile au début, au tout début de la chute du mur de Berlin, mais les choses, petit à petit, ont pu s'améliorer. Et donc, normalement, il était là pour leur noce d'or cet été. J'ai appris aujourd'hui qu'en fait, il ne peut pas venir parce que, vu qu'il vit en Russie, il a eu le vaccin Spoutnik. Et donc, il a une quarantaine. S'il vient, comme le vaccin n'est pas reconnu en Europe, il a une quarantaine. Une mise en quarantaine et que donc voilà, il ne vient pas, malheureusement. Il devait venir avec son épouse et c'est annulé. C'est dommage pour ma belle-sœur. Donc voilà, il n'a jamais su qu'il avait un fils. Je crois, si je ne me trompe pas, que son fils est musicien. Et que la première fois que ma belle-sœur l'a vu, c'était hors de la Russie, lors d'un concert. Mais je peux me tromper, je peux avoir mélangé les choses, parce que c'était il y a quand même longtemps. Je ne me souviens peut-être pas de tout. Mais bon, elle a eu une belle vie avec Mamouchka. On l'a toujours appelée Mamouchka, la maman de ma belle-sœur. Et ma belle-sœur a été une enfant aimée, choyée, qui a fait de belles études, qui a travaillé pour l'OTAN. Comme quoi la guerre a séparé des êtres, en a réuni d'autres, de manière vraiment spectaculaire parfois. Moi, je ne l'ai jamais vu, donc ça aurait été l'occasion de le rencontrer. Bon, d'après ce que ma nièce, donc la fille de mon frère et ma belle-sœur me dit, il parle très mal anglais, pas du tout français. Donc le dialogue est
pas spécialement facile. Comme je ne parle pas russe. Donc voilà, il ne sera pas là. Encore une cause du Covid. Après, on a la diète hein, quand même, des petites vacances comme ça, dans le sud-ouest de la France. Ça va être trop bien. Pop, 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 j'en ai pas vu un autre. Si. Je crois que c'est tout. Petit carré. Pense pas que ça va beaucoup nous éclairer, celui-là. Hein? C'est dans les couleurs assez sombres. J'espère surtout qu'avec ce variant Delta, ça ne va pas prendre des proportions qui pourraient mettre en péril notre voyage. Je pense pas. De toute façon, on est vacciné, on a le passe vaccinal. Ben, à chaque fois j'en oublie un petit, c'est comme d'habitude. Ben, ceux que j'oublie, ils seront faits en dernier. Tant pis. Tant pis, dommage. Tu es où, toi, là? Sinon, ben, ça va bien. Kenyan est rentré. Il se détend chez lui. Il a eu beaucoup de boulot. Je vous l'ai dit, il travaille dans une grande boulangerie, chocolaterie bruxelloise. Oui, ta mère. Il y a eu du monde aujourd'hui. Il faut dire aussi que les touristes commencent à arriver, donc fatalement. On vient en Belgique, on achète des pralines. Et lui, il est du côté chocolaterie, donc il a quand même pas mal de monde. Du P. Une grosse, grosse mouche. Je ne sais pas si vous l'entendez. Et toute grosse là. Pop, 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 P. Je crois pas que je vais faire un autre à la suite parce que il est 19h46. Le temps de terminer, de le mettre, de le mettre sur YouTube, de le programmer pour YouTube. À 21h, il y a la demi-finale. Alors, je ne sais pas si Pulot a envie de la regarder ou pas, parce que depuis que la Belgique est plus là, bah, lui, il s'y intéresse beaucoup moins. L'Espagne, l'Italie, ça peut être pas mal.
Et si Pilou veut regarder un feuilleton, ben je vais pas faire ça. Je vais pas faire de vidéo en même temps. Donc je vais retourner sur mon petit. Mais enfin, c'est des diamants sauteurs. Est-ce qu'il me reste encore? Oui, un pays ici. Moi, j'ai bien envie de regarder la demi-finale, mais s'il n'a pas envie, on regardera la suite de Pierce, Snow Pierce, enfin, le train dans la neige. On n'a pas terminé hier. Prendre des S qui ne sont pas loin, ils sont là. Ça, c'est un joli bleu aussi, hein. Joli bleu mauve, on va dire. Relever un peu cette tristesse là. Trop contente de voir ma petite sœur, il y avait tellement longtemps. Ça m'a fait un plaisir fou. Du coup, on s'est dit qu'on irait voir ma fille mardi prochain. Ma fille, ça fait 1 an et demi qu'elle l'a plus vue. Ça devient long. Je vais prendre Epsilon. Sinon, les bleus. Donc, mardi prochain, on ira chez Christelle. Là, je serai partie toute la journée. Alors, le plus, toujours plus, est un violet un peu foncé. Là, on va arriver dans ceux que j'ai oubliés. Voilà, le triangle. Qui est un bleu pâle, très 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 pâle. Presque gris, mais c'est pas gris. Oula, j'ai mis presque tout le pot et il m'en faut pas. Il m'en faut deux. Voilà, c'est 2 points d'interrogation. On y est, on est au bout là. Là, je remets bien. Point d'interrogation. Hop. Et là, c'est ce que j'ai oublié. Un petit 1. Le 1 minuscule. Demain, j'en ferai plusieurs parce que j'ai du temps. Celui-ci, il est là. Ça, c'est du gris. Un petit. Et le dernier, c'est le S. Voilà. Désolée. Je regarderai tous mes messages après. Voilà, la case 14 terminée. Je vais faire pause pour la remettre dans le bon sens. Et tac. La tablette et vous montrer l'ensemble que ça donne. Voilà ce que ça donne pour le moment.
Donc le suivant, c'est le 15. Attendez, je m'approche. Le 15, il est là. Donc le suivant, je fais celui-là. Et je ferai ça demain. Moi, je vous souhaite une bonne journée et à demain. Je vous fais de gros bisous. Là, on commence à voir ce que c'est vraiment. On a une bonne idée là, de loin. Bisous tout le monde. Passez une excellente journée ou une excellente soirée ou une bonne nuit. Enfin, faites ce que vous voulez ou une bonne sieste d'ailleurs. Bisous, bisous.